Salut à tous, salut à tous, bienvenue sur votre chaîne de gaming 100% réalité virtuelle, c'est K1. Aujourd'hui, on se retrouve sur Automobilista 2 en Formule 1 V10. Et avec le tout nouvel update, le 1.2, et dans ce 1.2, apparemment, ils auraient changé l'IA. L'IA deviendrait bien meilleure. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça avec vous. Donc, je me suis mis 10 minutes de session, pas 10 minutes, 10 tours plutôt. J'ai désactivé les essais, désactivé les qualifs, j'ai mis 85% d'agressivité pour l'IA et je vais démarrer en dernière position sur le circuit d'Interlagos au Brésil. Allez, on va voir ça ensemble, ce que cette IA donne. J'espère que ça tient toutes ces promesses, que ça va commencer à devenir plaisant pour concourir contre l'IA. Allez, on est parti. Allez, donc on est parti avec 85% d'agressivité pour l'IA. Allez, on va voir ce qu'elle vaut. On va prendre un bon départ. Propre hein, tout ça. Voilà. C'est vraiment chouette ce que je vois. J'ai pu être roue contre roue, il s'est rien passé. On a pu faire la course. Grosse mise à jour hein, de l'IA. J'ai failli décrocher encore. Waouh, c'est vraiment beau. C'est vraiment un... Les courses, comme on les aime, je pense que ça va drôlement améliorer le multi. Aïe aïe aïe, j'ai loupé mon freinage. Oh là là là. Quelle course! Regardez comme c'est beau, deux de front. Oh,
j'attaque, hein, j'attaque vraiment là. Super circuit, hein. Interlagos au Brésil. J'ai loupé un rapport. J'ai rétrogradé. Attention d'accélérer vraiment progressivement pour pas perdre l'arrière. J'ai pas encore bien compris comment le prendre ce virage. Passe plutôt bien, hein. C'est l'IA a vraiment évolué de ouf, hein. Regardez ça un peu. Et ça me repasse. Je te prends là. Oh, je me cramponne, hein. Je me cramponne au volant là. Allez, on est quatrième. 6 tours.
À gauche, là, c'est l'entrée des stands. Huitième tour. Eh ben, l'IA tient toutes ses promesses, c'est cool. Bien, arriver à choper la troisième position. Aïe, 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 je le comprenage. J'ai loupé mon freinage, j'étais carrément trop à droite. J'attaque, j'attaque, on y va, on y croit, faut rien lâcher. Ça va être dur, hein, ces derniers tours. Belle course en tout cas. Ah, ça va être compliqué. Dommage, hein? Dommage! J'ai fait quelques erreurs. Et voilà, le tour de refroidissement. Alors, je sais pas ce que vous en avez pensé. Hein. Dites-moi dans les commentaires, mais moi, cette IA, je la trouve fantastique. Hein. Vraiment fantastique. Voilà, ça fait du bien, hein. Ça fait du bien. Un petit vent de fraîcheur. Merci Reza Studio, petit vent de fraîcheur sur Automobilista 2, il y avait grandement besoin de modifier d'urgence cette IA. Et là enfin on peut faire de la Formule 1 s'entraîner correctement. Ça promet des belles bagarres, hein, vraiment des belles bagarres. Et puis quand on ira en multi, on pourra mettre de l'IA également en attendant que les serveurs se remplissent. On ne pourra pas comme un imbécile tout seul contre une IA qui ne tient pas la route.
Magnifique hein, ces voitures, hein, ces V10 là. Et le son, ouais. Le son est juste incroyable. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Hein, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, activez la petite cloche pour rien rater des futures vidéos. Et puis abonnez-vous pour soutenir la chaîne. Oh, oh, pas qu'on loupe l'entrée des stands. On met le limitateur de vitesse. Et voilà, on va aller se garer tranquillement. Et puis bah moi je vous dis à la vidéo prochaine. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, ciao, bye bye.